Eh bien, salut à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, une vidéo, comme je vous l'avais dit hier dans ma vidéo, que j'allais faire une série où je vous posais des questions avec cette boîte, la boîte à Culture Geek. Donc voilà, si vous n'avez pas vu la vidéo d'hier, n'hésitez pas à cliquer juste ici. J'ai vu qu'il y avait des bugs YouTube parce que sur la vidéo, ça ne marque aucune vue. Mais quand on clique sur la vidéo, ça me met 14 vues, donc je sais pas, il y a eu un petit bug, c'est bizarre. Mais voilà, n'hésitez pas à aller la voir si vous voulez, pour jouer avec moi à cette série avec moi. Donc voilà, allez voir surtout la vidéo, parce que sinon vous allez rien comprendre. Donc voilà, on va commencer maintenant. Alors les mecs, on va piocher au sort, comme je l'avais dit. Je répète, il y a cinéma et TV show, littérature et BD, jeux vidéo et, attendez, hop, technologie et science. Donc voilà, alors j'ai pioché, je vais pas regarder. Alors, qu'est-ce que je vais prendre? Hop, on va prendre celle-là. Alors les mecs, on est dans cinéma et TV show. Donc, je répète, vous pouvez aller sur tout ce que vous voulez, Safari, Google, vraiment, mais tout ce que vous voulez, vous tapez la question, vous allez peut-être trouver la bonne réponse. Mais moi, je vous le dis clairement, je prendrai les réponses de mes cartes. Donc voilà, on va commencer par la première question. Alors, écoutez bien, je vais la répéter deux fois. Donc, c'est parti. En l'écoutant, H a déchaîné les enfers. Qu'est-ce donc? Donc voilà. Je vous la relis. En l'écoutant, H a déchaîné les enfers. Qu'est-ce donc? Donc voilà, je vous laisse quelques secondes. Voilà, de toute façon, vous pouvez revenir sur la vidéo pour réécouter la question. On passe à la deuxième question. À bord de quel vaisseau Ulysse traverse-t-il l'Olympe? Donc voilà. Je la répète encore une deuxième fois. À bord de quel vaisseau Ulysse traverse-t-il l'Olympe? Voilà, je vous laisse quelques secondes. Alors, on va passer à la troisième question. Quel est le dernier film réalisé par Irvin Kirchmer? Voilà, je ne sais pas si vous avez bien compris, mais c'est un peu galère à prononcer comme prénom et nom. Je vous la répète. Quel est le dernier film réalisé par Irvin Kirchmer? Voilà, je vous laisse quelques secondes pour répondre. Vous mettez dans les commentaires toutes les réponses. Vous mettez autant que vous voulez. Et celui qui trouvera la bonne réponse aura le droit à une petite pub par sa chaîne YouTube. Donc voilà, on passe à la quatrième question et dernière question. Quelle actrice de Friends joue dans la série Supermind? Entre parenthèses, Mischief of Science. Voilà, je vous relis. C'est la plus compliquée comme question. En gros, en fait, je vous explique qu'il y a des pouvoirs. Il y a le premier pouvoir, donc c'est la plus simple. Le deuxième, c'est ça monte d'un cran. Quatrième, etc., etc. Donc, voilà. Je vous répète la dernière question. Quelle actrice de Friends joue dans la série Super Mind? Entre parenthèses, Mischief of Science. Voilà, je vous laisse quelques secondes pour répondre. Donc, voilà, j'espère que cette première vidéo de cette première de cette série vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un maximum de pouces bleus, à vous abonner en cliquant juste ici, et moi en tout cas je vous dis ciao.